Et les gens, bienvenue sur frappecjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu We Happy Few. Sur PC, je commençais à me poser des questions parce que le jeu ne s'affichait pas. We Happy Few, donc sur PC, un jeu qui m'a été offert par Berserker. On a atteint la sortie de la version complète qui est buggée au possible. Donc on va voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Ça se trouve, ça va nous ramener au tout début lors d'un dernier enregistrement lointain. Si ça nous ramène au début de la diffusion précédente, je supprimerai celle qu'on avait fait juste avant. Mais ouais, c'est la déception là quand même. Je suis déçu, oui, parce que comme je dis, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'un jeu sorti de nulle part, sans axe anticipé, puisse bugger, je peux le comprendre. S'ils n'ont pas le temps de tester partout, etc., etc. Qu'un jeu comme We Happy Few qui est en axe anticipé depuis des plombes soit encore KO et autant de soucis, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ok, donc là tout le monde est parti. Donc, où est-ce qu'on en était exactement? Ok, donc là on avait vu qu'il y avait une quête. Pace yourself, Arthur. Sniff you out. Please. They're not coming back. They're never coming back! You just want my blood on your hands! No! Fuyez, pauvre fou! Est-ce que ça va mieux se passer là? Trouvez le tueur, mais j'ai tué personne cette fois-ci! La quête est bien par là, hein, mais... Bon bah écoutez, on va patienter, on va bien voir. Hein. Salut Chimère, même pour des raisons pécuniaires ou non, je veux dire que c'est un jeu en accès anticipé. Un jeu en accès anticipé, il a le temps d'être testé dans tous les sens. T'as le temps de travailler ton jeu. Parce que finalement, à part l'obligation, tu vois, les jeux qui sont développés et édités, il y a une date de sortie obligatoire. Donc ce qui fait que même si le jeu est planté, que t'as pas eu le temps de te corriger, t'es obligé de le sortir à la date annoncée. Du moins les actionnaires, etc. font que t'es obligé de le sortir à la date annoncée. Là on est sur un jeu en accès anticipé, ce qui fait que c'est pour moi plus ou moins eux quand même qui décident de la date de sortie au bout d'un moment. Et ça fait des années qu'il est en accès anticipé, je me souviens même plus la dernière fois qu'on y avait joué, mais c'était même pas dans cet appart, donc c'était il y a plus de 2 ans. Donc je suis désolé, en 2 ans t'as le temps de se faire un jeu qui est terminé et qui a pas de bug. Du moins, pas autant de petits défauts comme ceci. Ou du moins, après des années d'accès anticipé, tu mets pas un jeu à 70€ qui est encore buggé, quoi. C'est, je sais pas, à plein tarif comme ça, moi je m'attends à avoir un jeu complet et propre. Surtout après toutes ces années, quoi. The Ravens are gone from the tower. Don't tell anyone. You know, I still hear them screaming. I think we wear the same size. Les États-Unis vont venir. Par contre, il faut qu'on attende toute la nuit, ça va être long. Je suis le roi du monde! Ah, il y en a encore un là-bas. On va essayer de venir. On va essayer de voir s'il vient nous attaquer ou pas. Quand même costaud. Hein. Twist
Ouah, je comprends rien où je suis. On se calme les gars. En viande de la victoire. Mais la viande de la victoire, c'est... C'est ce qu'on mange, non? Tellement peu d'endurance. Mais là. We've come to the end of our time. We've come to the end of our time. It's time. Supper's over. Et voilà, c'est bon. Bon, apparemment, il faut attendre qu'ils reviennent. Rukyo. We'd be dead now without you. I guess it's not true what they say about wastrels. We hid a suitcase. Our Sunday best. It's all we have. The combination is 1066. I hope it helps you in some way. 1066. God be with you. On va noter ça au cas où. Fouille la valise. Oh, bah d'accord. Par contre, ce serait bien que je récupère un petit peu de soin, non? J'ai plusieurs bombes de soins, donc on va pas s'apprier. Hop là. Vos tissus tous vainqueurs, imperméables déchirés, Adorable. I brought the village paper with them. Ok, donc on va juste être jeté un petit truc ou deux. Parce qu'encore une fois, on est plein au niveau de l'inventaire. Là, on a un joyeux brawl. Pas très joyeux. On va jeter la branche pour faire un petit peu de place. On a 105 sur 106. On va jeter ce pied de biche qui ne vaut plus grand chose. Ça, j'avoue que je sais plus à quoi sert les chasse trappes. J'en ai vraiment plein par contre. Hein. On va essayer de se débarrasser une partie de nos affaires. Tout ce qui est pourri parce que... Voilà. Ça va nous faire de la place déjà. Ça c'est quoi? Coffre de jetable? Non. Ça prend de la place aussi. Ça c'est quoi? Imperméable déchiré. Waouh. C'est bon? Ah, but where's Kilroy when you need him, eh? You're looking nice and trim. Are we mad? Represilia. Or is it the world? Ok, c'est bon. Ensuite, on va aller où? Parce que c'est bien beau de ça. On n'a pas visité cette zone-ci au centre, donc ce serait peut-être pas si mal si je pouvais m'en rapprocher un petit peu. On va voir si on peut y trouver des bâtiments ou autre à l'intérieur. On ne sait jamais après tout, hein, sur quoi on peut tomber. Well, the only reason I know for being a bee is making honey. And the only reason to make honey is so I can eat it. And so the bear set out to climb the tree. Ça sent pas très bon ça. Alors nouvelle quête qui est où? Qui est conscience collective. Alors optionnel s'équiper d'un costume rembourré. Obtenir du miel. Je ferais mieux d'éviter de voler aux abeilles tant que je n'ai pas de costume rembourré. Récupérer un rayon de miel. Alors, comment est-ce que je peux me créer déjà un costume rembourré? C'est quoi ça? Un canard tellement étrange en fait qu'il détournera l'attention de tout le monde pendant un précieux moment. Cet objet, une fois lancé, attire l'attention de plusieurs cibles et les éloigne. Ah bon, j'ai l'impression qu'on peut créer quand même un paquet de trucs. Hein. Bon, ok, on a une quête ici, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour chercher. On va continuer à l'est pour voir.
mais j'ai l'impression que ce côté-là, il n'y a rien. Pourtant, on a des routes qui font le tour, donc il y a forcément un truc, quelque chose. Il y a forcément quelque chose à voir par ici, en tout cas. Ah bah tiens, il y a ça. Just throw a rock or a bottle at it and blow it up safely. Ouais, d'accord, on n'y voit rien là. J'ai quelque chose qui pourrait faire de... Il y a un garde-manger. Il y avait un piège, effectivement. Comment puis-je avoir de la lumière? Est-ce que dans mon inventaire, j'aurais quelque chose qui pourrait m'être utile à ce niveau-là? Fléchette, bouteille en verre. Il n'y a pas moyen d'allumer une lumière, là? Ah. J'espère qu'il n'y avait rien de grave, Priscilla. Waouh. Ça c'était pas bon. On n'y voit rien en plus. Je crois qu'il faut que je faudra mieux que je revienne quand j'aurai quelque chose ici. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Un briquet ou... Ou autre chose dans le genre. J'ai tellement l'impression de rien y voir maintenant. Bah. Ok. Alors, revenir de nuit, ramassage de fleurs au jardin nocturne, vous venez découvrir de petits coins du paradis. Sympa les bruits, hein. Je vais pas ramasser ça là, une petite torche ou un petit petite lanterne. Apparemment non, donc tant pis. Attention, je viole cette propriété, d'accord. Ramassage de fleurs, conscience collective. Il y a une nouvelle mission ici, conscience collective. On a découvert deux lieux. C'est déjà pas si mal. Bonjour messieurs. Il y a d'avoir les restes d'une maison par là-bas. On va aller voir. Ah mince. Well, this is gonna be a bit tricky. Et ça fait longtemps que vous y êtes à l'hôpital du coup? Alors j'avoue que je me rends pas compte à quoi ça correspond le deuxième degré. Bah j'espère que ça ira vite mieux, en tout cas. Quitter les lieux immédiatement. Cette porte est bloquée. Ça passe par là. Là, j'imagine que c'est bloqué aussi. Coincé. Mais du coup, c'est au niveau du coup ou au niveau du... Ça faisait 3 semaines. 3 semaines que vous étiez à l'hôpital. Enfin, 3 semaines qu'il était à l'hôpital. Quand même. Oh, la violence. Bah, courage à vous deux, hein. Could be worse, I think. Sometimes I hear horsemen at night.
is the four, isn't it? Décidément. Et comment il a fait ça, si c'est pas indiscret? Alors, tout dans le carton extrait du journal du samedi. Les tournois hebdomadaires de Jack Caddy, Damlin Village, a provoqué encore plus d'excitation que d'habitude ce vendredi. La partie était à son comble, les participants abandonnant à tour de rôle quand les villageois avertis ont soudain remarqué un petit groupe de bons à rien venant du pont et tentant de se faufiler dans le quartier des jardins. Ils profitaient vraisemblablement du fait que les villageois avaient quitté leur maison et boutique pour venir les voler. Comme chacun sait, les bons à rien ont largement assez de nourriture dans le quartier des jardins. Il s'agit du quartier des jardins après tout. Mais ils semblent préférer notre nourriture. L'intrusion a provoqué un tollé et le village entier s'est lancé à la poursuite de ces vauriens, ayant lancé la Joy. Qui se sont enfuis, délaissé la Joy, qui se sont enfuis par la rivière et ont disparu. Aucun prix ne pouvant être décerné car plus personne ne se rappelait qui avait été éliminé. Tout le monde a été déclaré vainqueur. L'intrusion semble résulter d'une défaillance temporaire de l'un des postes de diagnostic du pont. Le poste en question a été réparé afin que les parties de Jacques Caddy ne soient plus interrompues. Bonsoir Exode. Eh ben écoute, au moins t'auras fait un bon gros dodo. À quiconque ouvrira cette lettre, chers habitants de Wellington Wells, car nous ne sommes pas toujours les habitants de cette ville. Bonne nouvelle, Dieu ne vous a pas oublié, il est toujours à nos côtés, même dans les vestiges de ces terres désolées. Ne soyez pas dans nos souffrances le signe de son abandon. Ne voyez pas dans nos souffrances le signe de son abandon, car elle a testé son propre fils en le poussant aux limites de sa mortalité, comme Job ne perdait pas la foi. Certains se sont détournés de son amour pour s'adonner à la sorcellerie ou idolâtrer d'étranges légumes et autres démons innommables. Ne succombez pas à cette tentation. Ceux qui y croient seront sauvés et si vous avez perdu espoir en cette vie, raison de plus pour préparer la suivante. Rassemblons-nous dimanche midi sur le pont de Lutzholm et reformons la congrégation avec vous dans l'amour du Christ, révérend Charles Peter, anciennement de l'église Saint-Georges. Alors, ils me disent qu'il y a des dangers, il y a des mines. Le multi-outil, j'ai pas de multi-outil. On reviendra plus tard, du coup. On reviendra plus tard. Baignoire. Ma très chère Kate, je crois avoir trouvé un bateau. Pas un vrai bateau, évidemment, juste une baignoire avec une serviette en guise de voile. Mais plus le vaisseau sera petit, moins il y aura de chances d'être détecté par les navires de la patrouille, tu ne crois pas? Je tiens tous les courants, mais en naviguant vers l'ouest, nous arriverons forcément en Irlande. Cela fait 7 jours que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Je t'attendrai à l'ombre de l'épave du V1, samedi à midi. J'espère que tu recevras cette lettre. Si tel n'est pas le cas, je reviendrai te chercher. Si je survis, je t'aime, je te teste notre époque. Tendrement, Tony. Le samedi. Un samedi à midi. On est jusqu'à. On sait pas samedi ou autre. Bon, je crois que cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour de la carte. Donc on a plusieurs quêtes. Celle-ci est en train de revenir, donc on va retourner voir au nord. Avec de l'eau bouillante. Effectivement. Bonne nuit Sully, faites bref, prends soin de toi et à la prochaine. Toujours. Ça y est, il a abandonné. Bon, ok, ça nous avions vu du coup. Il y a de l'eau là. Là, il y a la trappe. Et du coup, si j'ai bien compris, la greffe est bien prise alors, c'est ça? Docteur Robin Byron, hôpital Saint-Michel, 102 La Parade, Wellington Wells. Très cher Docteur Byron, j'ai réparé ce qui semblait être un cas d'avancée de peste dans le quartier des jardins. Évidemment, mes collègues et moi avons immédiatement réglé le problème. Se pourrait-il que quelqu'un ait traversé le pont de Lutzholm? Il faudrait vérifier. Si cet axe est bel et bien fermé, alors nous devons considérer la possibilité que la peste se transmette par l'eau.
Dans ce cas, il faut immédiatement cesser de jeter les corps des malades dans la rivière. Vous ne pensez pas? Les filtres de l'usine des traitements des eaux laissent déjà passer assez de choses comme cela. Avec un peu de chance, nous avons tué cette nouvelle épidémie dans l'œuf. Dans le cas contraire, nous allons devoir équiper les agents de masques à gaz. Non. Il paie également. Bien à vous, docteur Saint John Kitts. Comme quoi, ça vaut le coup de lire un petit peu tout ce qu'ils racontent des beaux de ces gens-là. Hello. You'd be amazed what people throw into the bins. Have you been sleeping all right? Never say you don't have a choice. Everybody has choices. I guess there's nothing we can do for him now. Please don't struggle. On fait comme on peut. Hein. Ah, nickel. Oh, just En même temps, il protège juste sa baraque, donc finalement, si je m'approche pas trop, il a plus aucune raison de s'éloigner. Bon, je te laisse ça. Bon, ils sont juste inconscients, qu'on se le dise. La question, c'est qu'avons-nous ici? Nous avons une trappe. Okay. Good. Now I can come back here with the minimum of fuss. Donc j'aurais pas besoin de me casser la tête, je pourrais me téléporter directement ici par la suite. Là nous avons un lit, est-ce que j'ai besoin de dormir ou pas? Bon, je commence vraiment à avoir soif. Y a pas d'eau dans ce coin là? Et pour ce qui est de la faim... I feel terrible. Y avait du ragoût varié. Pas de bol pour moi, il faut que je fabrique du thé vomitif qu'on va s'empresser de manger pour sentir mieux, voilà. Et vomir à l'intérieur histoire que toute la salle soit emplie d'une odeur absolument merveilleuse, n'est-ce pas? Salut Shiro King, comment vas-tu? Et ça va, ton gosse il arrive à tenir le moral un petit peu quand même? Enfin, je me rends pas compte, comme je dis, je... Si on peut faire quelque chose pour lui, t'hésites pas à le dire, comme ça, on pourra participer un peu. Ensuite, on va où? Donc ici, on a vu, on pourra s'y téléporter si besoin. Pour le reste, pour l'instant, faut venir de nuit ici pour cueillir, j'imagine. Entrer sur le champ de mine... Pour l'instant, ça vaut pas le coup. On va juste se rendre à nouveau par là-bas. Est-ce que je peux placer un point, voilà, comme ceci, sur la carte et aller dans le bon sens? Vraiment, c'est par là-bas, nord-ouest. Non, mais ce jeu part un peu beaucoup en vrille, oui. Juste un peu fatigué, d'accord. Peter, il used to be you can pry him out of the pub with a crowbar. I think I've already been judged and punished. Thank you. Qu'est-ce que c'est que cette quête? OK, donc c'est cette quête là. Est-ce que je peux... essayer de l'atteindre par derrière. Oh, that doesn't look a bit like a trap. Il y a deux quêtes ici. Hein.
Qu'est-ce que je peux faire? Waouh! Ouf. Ouais, il va falloir que je fasse attention là. Quasiment plus de vie. Mais non, mais je suis coincé dans le décor. Je crois que j'ai fait une bêtise là en attaquant lui. Pourquoi je peux pas lancer de pelle comme dans les autres jeux? Ils sont combien là-dedans? Je sais même plus comment je rentre les points. On se calme les gars, on se calme. C'est joli par ici aussi. Et ils savent exactement où je suis. J'ai pas de bol. Mais je l'ai assommé, normalement, il est juste inconscient là pour l'instant. Dites-moi qui m'ont perdu de vue. Salut Lio! 64 chevaux. Comment vas-tu Lio? C'est bon, ils m'ont abandonné? Nickel. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais je ne vous jette pas la pierre. La mission, c'est quoi maintenant? Ouvrir le coffre. On va aller voir. Hein. Maintenant qu'ils m'ont tous lâché un petit peu, on va aller voir ce que tout ceci cache. Miss Bing always said I had a great future ahead of me. Probably said that to half the school when no one was listening. Personne me voit, personne me voit. Voilà, il est juste inconscient, vous voyez? Tout va bien. Tout ce qu'il a sur lui, ça, brique. Ben, j'ai pris tous les objets, moi tant pis. Ah ça va. Ça veut pas dire chevaux, bah je sais pas. 64 chevaux, je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça va pour moi, CV ça veut rien dire en fait, c'est chevaux. c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi cette façon d'afficher les trucs là? On n'avait pas ça avant. Une pomme de terre, pourquoi pas. Pierre améliorée.
Un canard. Une pomme pourrie, j'en veux pas. Bondage sale. Et une vis. Bah écoutez. Quête terminée, je ne vous jette pas la pierre. Bon bah j'aurais quand même réussi à passer. Ce qui est ma foi assez surprenant. Dans Zelda, tu m'étonnes. Du coup, on était où? On avait du poids là sur nous. Celle-ci, on va la jeter. On va prendre notre nouvelle pelle spéciale. Voilà. Et on va aller voir ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce que ceci? Nouvelle quête. Comment abaisser la palette? Alors, trouver comment abaisser la palette. Il y a un truc ici. Je tue des gens. En même temps, c'est pas moi qui les attaque hein, à la base. Ils ne font que essayer de se protéger, mais bon. C'est un peu la triche, mais on les a eu quand même. Désolé les gars. Vous êtes frotté au mauvais monsieur qui pique. Alors toi t'avais rien à me donner. Toi non plus. Toi. Toi que je sais même pas si je les tape vraiment ou... Pelle rouillée. On va la prendre quand même. Le truc c'est que je sais pas si je tue des... Est-ce qu'ils ont des noms? Et comme ils ont des noms... Weston, Griffin, John, Nimli, Ellen, Dane. Je sais pas si, si ils étaient là, comment dire. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. S'ils étaient là, dans le monde, ou s'ils aussi pop, express instant donné. Oh, come on, you pack rat, you can't take all this with you. À nouveau, je suis trop plein. En même temps, c'est moi qui peine dans des zones interdites. Hein. Ouais, on va jeter ça. Voilà. Et ça. Voilà. Ça fera un peu de place déjà. On est à 96 sur 106. Parfait. Ensuite. Qu'est-ce que j'avais vu? On a un point de fouille là-bas. On va aller le chercher. Il y a des quêtes partout en tout cas. C'est des psychopathes, un peu. Mais j'en suis bien un dans le sens où eux ils ne font que protéger la zone où ils sont. Moi je suis en train de les leur taper dessus, de les tuer quoi. C'est ce n'est pas très très joyeux. Oui parce que j'ai tapé dessus avec une pelle, je les ai tués. Oui je les ai vraiment tués, salut AGF d'ailleurs. On est très très doué pour le rangement, hein, faut croire. C'est, je suis en train d'y arriver. L'avantage, c'est que ça apparaît sur la boussole quand on se rapproche, donc c'est juste là. Et il y a un coffre. Salut Ito, comment vas-tu? Pas trop fatigué, t'arrives à tenir? Malgré l'insomnie et tout le reste. Et Taïo. J'ai déjà une gourde. Marchandage. Et je suis même pas trop lourd. Quand vous... Ok d'accord. Une réduction. Bon,
pour l'instant ça nous intéresse pas trop, on va revenir plus loin là-bas. Parce qu'il y a les deux quêtes qui sont là, conscience collective, c'est pour la ruche. Ramassage de fleurs, faut revenir de nuit, et t'as une sale mine, faudra réussir à rentrer, mais pour l'instant je suis pas sûr que ce soit valable. Donc, écoute, bien aussi. Plutôt bien. On va revenir vers la base à l'entrée là, donc on a à peu près visité cette zone, je suis plutôt content. Il nous reste celle-ci à découvrir. Et celle-ci, on avait commencé à la visiter, mais rien de très intéressant à faire pour le moment dedans. Je vous rappelle que l'objectif, ça reste d'atteindre la gare, normalement. L'objectif principal. I am in Paris. Oui, si tu le dis. Bon, ça, j'ai déjà visité. Là-bas, il y a un petit panneau. T'as terminé ta semaine de taf? Je sais même plus quelle journée. I just want them to stop screaming. That's all. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec les grosses échardes, mais il y a sûrement une utilité. At least we're alive, right? Sometimes you just have to eat rotten things. C'est la vie, pas vrai? Ouais. Hello, Tour Eiffel, là-bas. Garde. Elle a un peu changé, mais là-bas, il y a une tour. Rien, j'avais déjà dû la fouiller. Alors, maintenant, on va atteindre une zone que je n'avais encore jamais visitée. J'aimerais bien faire le tour à nouveau. Oh, mais... C'est quoi ce jeu qui te met un temps de chargement au milieu de nulle part, quoi? C'est pas la première fois qu'on se tape, en plus, hein. Isaac est graphiste aussi, d'ailleurs. On est jeudi aujourd'hui, d'accord. D'ailleurs, je n'ai pas vu de story, Isa. En même temps, j'ai pas regardé depuis que je me suis levé. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, il était midi passé. Donc, je n'ai vu aucune story de ce que tu as dit hier. Mais attends, ça se trouve, tu l'as quand même posté et je l'ai pas vu. C'est possible. Alors, on parle d'Instagram. Hein. Isa a un compte Instagram, n'hésitez pas à la rejoindre et à vous abonner. Allez, hop là. Hop là. T'as oublié. Donc même si je vais sur Instagram... Ah si, il y a une... Un chocolat chaud. Mais fais-toi des chocolats froids, madame. Des chocolats froids. Tant pis. Bah heureusement que t'as pris des photos, ça fait des souvenirs, Urtica. Amuse-toi bien, Ito. Enfin, amuse-toi bien, façon de parler. Voilà, ça c'est pas joli, là, les X. Dans l'herbe, les gars. C'est pas joli. On aura bientôt terminé le contour. Oui, les rediffs précédents du jeu vont arriver. Normalement, demain matin, il est encore 23h, donc oui, c'est bien ça. Demain matin, il y aura les. Ou demain après-midi, il y aura les rediffs du 1, 2, 3, 4 de We Happy Few. Il y a un décalage d'une journée en fait. Ça évite que ça me stresse sur la vitesse d'upload. Ça me donne moins l'impression d'être pressé. Ça fait quand même une grande zone à première vue. Ce week-end au Futuroscope, punaise, le Futuroscope, je suis pas allé peut-être depuis les années 99 ou 98, je ne sais plus. Donc autant dire que ça fait très, 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 très longtemps que je ne suis pas allé au Futuroscope. En même temps, Disney, c'est pareil. Hein. Mais le Disney... On va essayer d'y aller quand même à un moment donné, on va essayer de... En 2019, ça serait bien qu'on s'y fasse un voyage. Bonne nuit Priscilla. Et bonne sortie d'hôpital du coup. J'espère que tout se passera au mieux pour toi et puis... À très bientôt j'espère. Bon courage à vous deux en tout cas. Enfin à vous, à ta famille quoi. Ben bien oui, fatigué mais ça va en fait. Ça va. Disons que j'ai énormément de mal
récupérer le sommeil là pour l'instant. Ce qui est un peu désagréable. Du coup, je démarre un peu les lives en retard. Même si je me lève assez tôt pour pouvoir démarrer à l'heure, je vais pas dire que je traîne, mais j'évite de démarrer en étant complètement dans les choux, quoi. Alors, je crois qu'on a plus ou moins réussi à faire le tour. Un séjour à Disney. Eh ben, dis donc, tu vas les enchaîner. Après, le parc Astérix, Vulcania, le Puy du Fou. Tu comptes tous les faire cette année? Il y en a sûrement plus, hein, mais c'est les seuls que je connais. Sachant que les seuls que j'ai fait, c'est le Futuroscope et Disney. Avant les années 2000. La première fois que j'ai dû faire Disney, c'était en 93, je crois. Je sais plus. Ah, parce qu'elle a pas le même pseudo, je crois. Elle a pas le même pseudo. Je laisse Isa en parler si elle en a envie. Normalement, c'est pour être partagé de toute façon les Instagram. Donc, je crois que c'est Kira qu'elle s'appelle sur Insta. Evin, Kevin, Jean-Philippe qui a commencé à me suivre. Non. Ok. Du coup, on part par là-bas et on a fait le tour, ça y est. Donc on va pouvoir se ranger dans cette zone-ci. Joli. Je sais même pas ce que c'est. Du coup, j'ai fait Disney en 99 avec la tempête. La tempête, j'y étais. Enfin, j'y étais. Disons que on était dans la zone parisienne, pas loin de Disney, on était à Cerise pour être précis. Du coup. Je me souviens juste qu'on avait vu la tempête et il y avait mon... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas mon tonton, mon oncle peut-être, je sais pas trop. Qui se baladait dehors pendant la tempête. Parce que lui est réunionnais et... D'accord, merci pour l'information. Il est réunionnais et du coup, lui, les typhons, les machins, il connaît, il a l'habitude. Et du coup, en plein milieu de la tempête, il se baladait dehors. Voilà. Il allait voir si les voisins allaient bien, si... Parce que pour lui, c'était pas si grave que ça, une tempête comme ça. Il y avait les arbres qui tombaient, je me rappelle, on était passé dans, je crois que c'était Fontainebleau. On avait regardé un petit peu, c'était une catastrophe, tous les arbres qui étaient tombés. En ville, il y avait des trucs, il y a une partie de la cheminée, je crois que c'était cassé la figure, là où j'étais. Il y avait... Donc bon, c'était rigolo. On était vraiment juste à côté de Disney, quoi. Bah, ils ont l'habitude de voir ce genre de choses, en fait, donc bon... C'est moins dérangeant pour eux. Non mais c'est pour ça que j'en parlais de ce compte Instagram. Bref, allez, c'est parti. This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit has come to tea. The rabbit has come to tea.
Alors à chaque fois ça change, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela peut apporter toutes ces choses? S'il y a une quelconque conséquence à tout ça. I've always loved the parks in Wellington Wells. Et il ramassera des canards en plastique. C'est quoi ce lieu? Jardin des délices terrestres. Ils appellent ça jardin des délices terrestres et il y a les canards en plastique. C'est assez assez étrange, disons-le. Les ruches. On va laisser attendre. Je crois que le mec est en train de manger du fer. Tout va bien. Non, mais il reste plus grand chose de la zone, oui, effectivement. Alors, un message sur le pont. Comité exécutif, mairie 5, la parade, Wellington Wells. Chers membres du comité, quelle journée splendide. Nous saccageons en ce moment le dernier des anciens jardins de la Victoire. Il doit y avoir assez de pommes de terre dans le quartier des jardins pour tenir 2 semaines. Voulez-vous vraiment que nous mourions de faim? Si vous n'avez pas de nourriture à nous donner, pourriez-vous au moins ouvrir le pont pour que nous tentions notre chance dans la nature? Je préfère encore périr à de la main d'un mendi que mourir de faim. C'est bien plus romantique. Vos anciens voisins, Colin... Ok. Je suis bien d'accord qu'elle se pourrit assez vite la nourriture, c'est assez bizarre. Et surtout pas rassurant du tout. Les plantes vidéo, pas bêtes. He never could understand people off the bat, but if he thought long and hard about what happened, he got quite a bit. On va continuer à avancer pour le moment. On sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. I know how you feel. It's too late to say you're sorry. How would he know? Why should he care? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sir Robert Bing annonce la formule de la joie. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce village en fait, du coup? Pour qu'il ressemble à ça. Comme Gradoub de Sinpower, pourquoi? Ah! C'est vrai que Gradoub bouffe des bébés, j'avais oublié ce détail. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu au Sinpower. C'est des maisons, il y a plein de maisons, maisons ruines, maisons abandonnées. Là-bas c'est une maison abandonnée, donc c'est peut-être mieux. Parce que là je me dis qu'il peut encore y avoir du monde là-dedans. Dernière maison ici abandonnée. Ouais, comme moi, c'est vieux, trop vieux maintenant. Ok, c'est celle-ci la maison abandonnée. Oh, Miss Mom. Avancer. Kit de réparation. Point de fouille. Nickel. Ça, c'est bon. Le point de fouille, par contre, il est où? Oh, mais pourquoi ils nous les mettent si loin, sérieusement? Par contre, il faut qu'on coupe la rediffusion. Ouais, déjà, on va éviter de fouiller pour l'instant ici. Quoique, ça pourrait être intéressant pour les bouquins. Pardon. Bonjour. Anne Thomas, ça me dit quelque chose, il me semble que je connaissais quelqu'un qui s'appelait comme ça. Bref, du coup on va faire une courte pause, on va se poser dans un coin où c'est pas... C'est plutôt joli, est-ce que ça serait pas mal par là?
Ouais, tant pis. Du coup, on va faire une coupe de rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-cjeux.fr. Pensez positif. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir les vidéos. Et parce que je me suis pas dans le cours de route, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et comme j'ai l'habitude de dire certaines choses, forcément ça perturbe. Mais bon, prenez soin de vous en tout cas. Et à la prochaine. Allez, bonne fin de journée, à ciao tout le monde, salut!